Plus d'agriculteurs, l'enfrichement, la moitié de la population active en moins, plus de gamins, plus d'écoles, plus de commerces. Voilà, il y a des fois je peux rester là une heure à les regarder quoi. Donc là c'est boudeuse. Ça devient compliqué, je pense. Je pense que si on veut garder un tissu un petit peu d'agriculteurs, ça va pas être facile, hein, et il va falloir que tout le monde prenne conscience. On a une grosse pression. Parce que déjà, on ne s'embarque pas tout seul, on embarque aussi ceux qui sont avec nous sur GAEC. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout le côté saveur et tout a été négligé et tout ça, quoi. Parce qu'on arrive à manger n'importe quelle viande qui a toujours le même goût parce qu'on a du ketchup. Oui, il y a des moments où j'ai trouvé très, très dur. C'est un métier qui me plaît, mais en même temps, il y a des moments où bah, c'est pas facile. Allez, c'est bon, à plus. Comment devenir agriculteur? Je résume ça en deux mots, le parcours du combattant. Il faut qu'on puisse en vivre et que du coup, on puisse préserver les paysages. Oui, enfin, il y a le côté ouverture d'esprit où on a envie de voir autre chose. Si on a pour seul horizon le cul des vaches. Le fait qu'il y ait moins d'agriculteurs élus, eh ben, le message passe moins. L'homme fait ses preuves, il l'a accepté directement, tandis que la femme, elle a beau faire ses preuves, elle sera acceptée, mais il faudra toujours tout au long qu'elle fasse ses preuves. Si on sait se faire entendre de la société, je pense que c'est la société qui peut nous défendre. C'est pas nous tout seuls. À mon époque, quand on était à l'école, agriculteur ou fils d'agriculteur, c'était une honte. C'était alors que ben non. L'apparence aujourd'hui a changé. La nature, elle est bien faite. Elle est faite pour donner le meilleur d'elle-même. Et si on la respecte, eh ben, elle nous le rend bien, quoi. Et il n'y a pas trop de soucis à se faire, en fait. Si on ne parle pas entre nous et on ne trouve pas, à un moment donné, une écoute, à quelque niveau qu'elle soit, je pense que oui, effectivement, le monde agricole est en péril.